Top. Salut les amis, aujourd'hui nouvelle course dans notre championnat F1 2014, dont le but est, je vous rappelle, de titrer Daniel Ricciardo. Cette fois-ci, c'est le Grand Prix de Chine sur le tracé de Shanghai qui nous intéresse. Donc, quatrième manche, on sort d'une magnifique victoire à Bahreïn. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on sort également des stands pour cette séance de qualification. Et l'information, c'est que la course se déroulera sous une météo variable, puisqu'il y a 50% de risque de pluie, même si j'ai gardé des setups plutôt sec sur la voiture, surtout pour bien me qualifier, puisque le plus important c'est de rester au contact des Mercedes et pouvoir après tenter quelque chose en course. Donc on va tenter de faire un bon tour chrono. Je termine le premier tour chrono, j'ai été pas mal gêné, j'ai eu quelques erreurs de survirage. Vous voyez notamment le retardataire devant, Rosberg a pris le meilleur chrono en 1.36.2 et nous on va terminer ce premier tour à la 13e, 11e place à 2 secondes du meilleur temps, donc c'est vraiment très très mauvais. Donc on a eu un tour très très difficile et regardez l'erreur que je viens de commettre, je m'en sors très bien puisque c'est mon DRS que j'ai oublié de fermer puisque je rentre dans le premier virage à fond et il faut le fermer manuellement, c'est une des rares fois de la saison où il est nécessaire en fait de faire la manœuvre à la main. Donc j'ai eu très 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 peur et malgré tout je vais continuer mon tour chrono puisque je ne vois que je n'ai qu'un dixième de retard. Donc je me dis peut-être que si je termine le tour sans être gêné par les retardataires, voilà comme ceci, peut-être que je pourrais faire un meilleur chrono déjà que le 12e temps puisque maintenant c'est Hamilton qui a récupéré la pole et moi je tombe au 12e rang derrière Sergio Perez, devant Daniil Kvyat de chez Toro Rosso. Donc deuxième tentative, vous voyez que mon réservoir est dans le vide, dans le rouge pardon, ce qui indique qu'il est plutôt vide. Donc le circuit de Shanghai, un circuit que j'aime bien. J'ai eu du mal au début mais au fil des années j'ai vraiment apprécié rouler sur ce circuit et travailler à régler la voiture parce que c'est un peu un casse-tête. Il faut assez d'appui dans les courbes mais il faut assez de vitesse dans ces deux grandes lignes droites. Donc vraiment sympa, le banking est vraiment sympa. On m'appelle au stand m'indiquant bien que je n'ai plus d'essence, donc j'ai juste de quoi terminer ce tour chrono. Donc on va voir si je peux déjà améliorer ce 12e temps en faisant simplement un tour propre, c'est-à-dire sans être gêné par les retardataires. Voilà, on ressort de l'épingle. Et ensuite, le dernier gauche qui se passe pour ma part en 4e, ce qui me permet d'avoir assez de relance. Je n'ai pas assez de réglage pour le passer en 5e. Donc voilà, ça passe en 4e, on relance, on ouvre le DRS et on pointe au 6e rang. Et on est quand même à 1 seconde 4 des Mercedes, c'est quand même pas mal. Je me relance pour ma troisième tentative alors qu'il ne reste que 2 minutes au chrono de la séance. Donc je vais vous faire vivre mon dernier tour chrono maintenant. Et vous voyez le pneu avant gauche qui devient jaune, 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 orangé. Puisqu'il y a énormément de pression dans le virage, donc ça fait surchauffer ce pneu avant gauche. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller pendant le week-end, même si il va pleuvoir peut-être. Enfin 50% normalement il devrait pleuvoir pour la course. Et vous voyez, j'améliore de 7 dixièmes le premier secteur, donc là je suis très confiant malgré la Ferrari qui me talonne derrière. Oui, donc je disais surveiller ce pneu avant gauche qui sera mis à rude épreuve ce week-end. Les grandes courbes qui se passent, moi je passe pas en 7ème pour garder de la puissance, je passe en 6. On descend en 4 et puis en 3. J'aurais pu repasser en 2ème ici, mais je passe toujours ces deux gauches en 3, sauf quand je le sens pas. Vous voyez, derrière j'ai la Ferrari que j'aspire avec moi sans le vouloir. On m'indique de nouveau de rentrer au centre puisque je fais mes tours avec très 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 peu de carburant. La fois précédente, vous ne l'avez pas vu, mais je suis rentré avec le moteur tout sautant comme à Bahreïn parce que je n'avais plus d'essence dans la voiture. On se lance dans la grande courbe, on va ouvrir le DRS dès qu'on passe la ligne. Voici les panneaux, top, le DRS. Et on va freiner en 8e, on tombe en 2, on a bien pris cette épingle, on est bien ressorti. Il va rester 30 secondes quand on va passer le transpondeur. Voilà, on se prend le dernier virage à gauche, on réaccélère, on ouvre le DRS et on pointe au 3e rang devant Vettel. Donc on est 2 dixièmes devant Vettel, mais surtout à 6 dixièmes de Mercedes et de Lewis Hamilton. Donc à ce moment-là, je décide de rentrer puisqu'il n'y a plus nécessité de faire un chrono, puisque je me contenterai de la 3e place, personne ne me bat. Donc vous voyez la hiérarchie, Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, Williams, Force India.
C'est rare qu'on ait ça dans un jeu, mais là vous avez vraiment les capacités de chaque voiture sur le circuit, puisque là la qualif elle est vraiment propre, quoi. C'est assez rare d'avoir une grille vraiment parfaite avec une écurie sur chaque grille. Et voilà, donc les deux Mercedes devant, il va falloir faire fort demain si on veut eh bien, gagner des points face à Hamilton, puisque je pense qu'ils n'auront plus de problème comme à Bahreïn, hein, ils n'auront pas à chaque fois des soucis. Dimanche, jour de course, on monte dans notre voiture. Je vais vous épargner la tonne de setup, je fais une rapide coupure et on se retrouve sur le moment où je vais sur la grille. Voilà, j'ai coupé, hein, vous n'avez pas vu, ça a été très furtif. Hop. Parce que j'ai fait un petit peu de setup, j'ai bien tout vérifié et j'ai donc bien confirmé qu'on a des menaces de pluie pendant ces courses, donc il faudra se méfier et voir si il y a quelque chose à faire au niveau des arrêts, puisque dans ce jeu, l'IA n'est pas très original quand il y a de la pluie, il ne prend pas trop de risques, donc ce sera à nous de les prendre pour se démarquer. Petit temps de chargement, on se retrouve sur la grille, donc verrouillé par les deux Mercedes devant les deux Red Bull, les deux Ferrari et les deux McLaren. Voilà, on est dans la voiture. Les feux s'allument quand ils s'éteignent. On est parti pour la quatrième manche de la saison. Et c'est parti avec un Hamilton qui protège déjà l'intérieur avec Nico Rosberg. Mais regardez, je vais réussir à me faufiler à l'intérieur. Je double Rosberg et je prends Hamilton à l'intérieur et au freinage, j'arrive à prendre la tête de course. Donc ça, c'est vraiment le gros coup que j'essayais de faire. Et bien passer les deux Mercedes devant. Dès le départ, eh bien, c'est réussi. Donc me voilà en tête. Et regardez, je prends déjà un peu d'avance, comme c'est souvent le cas, hein, au niveau des départs. On prend quelques secondes d'avance sur l'IA. Donc là, je dois peut-être avoir une seconde sur une ou deux secondes. Voilà, une seconde 6 sur Hamilton. Hamilton qui est resté devant Rosberg. C'est pas bon pour moi au championnat. J'aurais bien aimé que la Minico prenne un meilleur départ, mais Hamilton l'a bien protégé. Mais moi, j'ai réussi à passer eh bien, dans ce trou de souris qui m'avait laissé Hamilton. J'ai eu peur, je vous avoue, qu'on touche, hein, tout simplement, qu'on se touche. Mais ça n'a pas eu lieu et donc on est très très bien lancé devant les Mercedes. Donc maintenant ce sera une course de gestion vraiment des Mercedes. Et on va se caler sur la stratégie des Mercedes pour essayer de terminer devant elles, puisque eh bien, ce sont vraiment les seuls rivales que j'ai au championnat pour l'instant. Hamilton a une seconde et Rosberg a une autre seconde. On va se lancer dans le banking pour la première fois de ce Grand Prix. Voilà, donc je rappelle le DRS disponible à partir du 3ème tour, mais là Lewis Hamilton me remonte dessus, il a vraiment une vitesse hallucinante avec sa Mercedes. Et eh bien tant qu'on garde la ligne de course, il n'y a pas de risque, mais là moi je protège à l'intérieur, il va freiner un peu plus tard que moi. Est-ce que je vais réussir à passer? Là je ressors un peu large, je le vois dans mon rétroviseur, et oui, il a été devant moi pendant un court instant, mais au freinage j'ai réussi à garder l'avantage en étant à l'intérieur, et on va conclure ce premier tour de course à Shanghai. On se retrouve un tout petit peu plus loin dans le deuxième tour, une petite coupure. Et là, safety car, voilà, déploiement de la safety car pour la première fois de la saison. Je passe tout de suite en mélange pauvre. Et là, ça va me sauver puisque je me dis, s'il pleut, eh bien, puisque vient de m'annoncer mon mécano, vient de m'annoncer mon chef d'équipe, vient de m'annoncer qu'il y a des risques de pluie d'ici, de pluie faible d'ici 5 à 10 minutes. Donc, eh bien, j'ai confiance que cette safety car... me retarde dans l'usure de mes pneus et me permettent surtout eh bien, d'aller gagner un avantage face au Mercedes. Donc on passe en économie de carburant et on va aller tout doucement rejoindre le safety car qui nous attend au bout de la pit lane. Milieu du troisième tour, on se retrouve donc derrière le safety car. Je vous ai épargné l'entièreté de la période, mais voilà, on est quand même derrière la safety car. On la voit pas tous les jours, donc je vous la montre quand même. C'est vrai que c'est un élément de gameplay qui est bien fait, mais qui a dû être patché par la communauté d'ailleurs. Vous avez le patch dans la description, je crois, puisque bien Codemasters n'a pas voulu sortir trop souvent la safety car et du coup on ne l'avait pas assez. Donc dans le 2013 on n'avait quasiment plus du tout. Déjà le 2012 c'était compliqué et puis suite à un patch on l'a eu un peu plus. Et ensuite sur PC eh bien, il y a eu un patch dégâts et soucis de l'IA. Donc il y a eu une voiture qui a abandonné, ce qui a causé le safety car. Mais alors je ne sais pas qui et je ne sais pas pourquoi, mais... certainement une voiture qui gênait ou suffit d'un débris sur la piste avec ce mode pour que le safety car sorte. J'ai hâte de voir comment ça va se passer à Monaco. Nous sommes dans la fin du quatrième tour et là je chauffe mes pneus puisque j'imagine qu'on va m'annoncer que la safety car va rentrer. C'est ce qui se passe, la safety car rentre, donc là je chauffe mes pneus avant.
Je vais essayer de chauffer un petit peu aussi mes freins pour ne pas être trop gêné si Lewis tente une attaque. Et on va passer en mélange riche puisque vous le voyez sur la droite, j'ai 3 tours de carburant maintenant. Donc ça va me permettre de me défendre face au Mercedes et peut-être pour soigner ma relance. Je reste très très loin à la sortie de l'épingle et je vais surveiller derrière. Et là, hop, voilà, je relance et j'essaie de surprendre Hamilton, mais c'est moi qui me fais surprendre parce que je mets 2 roues dans l'air. C'était pas tout à fait prévu. Voilà, c'est le drapeau vert, on peut reprendre et regarder l'écart que j'ai réussi à mettre au Mercedes avant la relance. Donc j'ai vraiment bien joué le coup cette fois-ci. Donc ça me permet d'avoir un bel avantage. On est au 5e tour et normalement mon arrêt est prévu pour le prochain tour. Sachant qu'on a passé 3 tours sous safety car, il y a une possibilité que mes guns tiennent un peu plus le coup. Donc je ne sais pas, je vais certainement retarder un petit peu mon arrêt pour faire quelques tours supplémentaires en pneus tendres si ceux-ci tiennent. Vous voyez que ça commence déjà à glisser dans les relances, il faut réchauffer les pneus. Et on se retrouve au 6e tour et vous le constatez, le temps est bien plus gris qu'au tour précédent. Donc on m'annonce une pluie imminente, donc je me dis écoutez, s'il commence à pleuvoir, eh bien on va essayer de garder ces pneus-là le plus longtemps. Et plutôt que de passer en pneus durs comme vont faire les IA et perdre du temps, eh bien nous on va rester et on va attendre qu'il pleuve suffisamment pour eh bien monter les pneus intermédiaires, voire les pneus pluie. Mais à ce moment-là de la course, je n'ai aucune idée si ça va marcher ou non. Donc ça c'est un énorme choix que je suis en train de faire, de me démarquer de l'IA pour tenter un coup. Soit ça marche et je me retrouve seul en tête, soit ça ne fonctionnera pas et je vais perdre du temps et je risque de me faire manger par les Mercedes. Et ça, ça m'embêterait vraiment. Donc vous voyez que la pluie commence à tomber, elle n'est pas encore vraiment présente puisque la piste ne luit pas, il n'y a pas de fumée derrière les pneus avant. Enfin, c'est montré par de la fumée, mais normalement c'est de l'eau, mais c'est assez mal fait dans le jeu, les traînées d'eau des pneus avant. Et on conclut donc le 6e tour et je suis toujours en tête et voilà, on m'appelle pour mon arrêt et je suis censé rentrer ce tour-ci. Et bien j'ai déjà retardé mon arrêt au stand d'un tour et dans le 7e tour, vous voyez que mon rythme est bon, j'améliore de 7 dixièmes le tour précédent, donc la tenue de mes pneus est un peu usée mais rien d'intenable. Fin du 7e tour, on m'appelle à nouveau au stand, j'ignore de nouveau mon ingénieur, je dis je continue, regardez en bas à gauche, et bien les IA, elles, choisissent de rentrer pour monter les pneus durs et non les pneus pluie puisque là la piste commence à être un peu humide. Donc soit l'ordinateur demande à l'IA d'instaurer les pneus intermédiaires, dans ce cas là ça ne me sert à rien de continuer. Si il ressort en pneus prime, eh bien c'est jackpot. Donc là il faut absolument maintenant que j'arrive à tenir encore un ou deux tours pour que la pluie soit assez intense pour ne pas monter mes pneus intermédiaires sur une piste sèche et donc les dégrader et avoir des soucis en fin de course, puisque je rappelle qu'on est qu'au 8e tour et qu'il y a encore eh bien, quelques boucles à faire derrière avec les pneus intermédiaires. Donc autant les avoir chauds et sur une piste bien humide. Fin du 8e tour, vous voyez que la pluie commence à augmenter un petit peu plus et on commence à avoir des traînées de fumée derrière, enfin, des traînées d'eau, hein, bon, j'ai de la fumée, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Derrière les pneus, vous voyez que ça commence à se soulever. Donc là, je choisis au 8e tour eh bien, de poursuivre. Je choisis de poursuivre à nouveau puisque j'estime que la piste n'est pas encore assez sèche et surtout ça peut s'arrêter de pleuvoir. Il peut y avoir simplement une pluie passagère et qu'ensuite eh bien, la piste sèche. Donc là si je monte des intermédiaires à ce moment-là et que la pluie ne s'améliore, ne s'intensifie pas, je risque de le regretter. Donc vous voyez, je rejoins premier ou deuxième si je m'arrête. Donc j'ai toujours un certain avantage, je ne perds pas trop de temps face aux autres pilotes. Je décide de passer en pneu intermédiaire au 9e tour puisque eh bien, il fait mauvais, vous le voyez. Là, je me dis ça va commencer à s'intensifier dans les quelques tours qui suivent. Donc, et c'est là que je vais voir si j'ai réussi mon coup ou pas face aux pilotes qui ont fait leur stop. Est-ce que je vais sortir devant ou derrière les Mercedes? La question est entière, vous allez voir qu'ils sont dans les droites de retour, vous le voyez en bas. On passe en mélange pauvre pour l'entrée des stands. Les mécanos sont prêts et je vais monter des pneus intermédiaires. Et donc, si la pluie s'intensifie, ils devront également passer en pneus intermédiaires. Donc c'est là peut-être que j'aurais gagné mon pari et certainement le Grand Prix, mais ne nous avançons pas. Restez attentifs au radar en bas à gauche de l'écran, vous allez avoir une belle surprise quand je vais sortir. On repasse en mélange standard puisqu'il ne reste plus qu'un tour de marge de carburant. Et regardez au moment où je relance, les Mercedes arrivent et c'est très chaud. Et je passe juste derrière Hamilton, mais j'ai des pneus intermédiaires et vu les conditions, eh bien ces pneus secs ne lui permettent pas d'avoir assez d'adhérence en courbe. Et même Rosberg le touche. Derrière, non c'est Hamilton pardon qui touchait Rosberg puisque Rosberg était repassé devant Hamilton, j'ai eu un moment d'absence, excusez-moi. Donc là on se retrouve avec des pneus qui correspondent aux conditions de piste et on est devant les Mercedes qui elles devront à nouveau passer par les stands mais cette fois-ci pour chausser les pneus intermédiaires. Donc si la pluie ne s'intensifie pas et ça ne nécessite pas un arrêt au stand pour passer les pneus full wet, j'ai gagné mon pari et donc le Grand Prix
On termine le 10e tour, regardez le graphique, les deux Mercedes qui sont là vont plonger. Erreur stratégique puisque vous savez bien qu'on ne peut ravitailler qu'une voiture à la fois, donc c'est Nico Rosberg qui va avoir des soucis, qui repartira un peu plus loin que son coéquipier, en plus des autres pilotes qui vont le gêner au moment où il devra ressortir. Donc la Mercedes sur ce coup-là eh bien, était condamnée à faire rentrer ces deux voitures puisque ce n'est plus tenable en pneus slick et qu'ils auraient perdu trop de temps. Vettel à ce moment-là est dans les stands et il est très proche de Rosberg. Et vous voyez, Raikkonen passe 3ème et Vettel maintenant 3ème. Donc Vettel a doublé Nico Rosberg dans les stands, donc ça nous met une fois de plus cette saison les deux Red Bull intercalés entre les deux Mercedes, donc ça nous permet de garder des chances au niveau du championnat constructeur, donc ça c'est une bonne chose. Le 12e tour, donc vous voyez Hamilton, Vettel, on est plutôt pas mal, et là vous voyez c'est le moment que je voulais vous montrer où les gouttelettes arrivent sur la caméra et ça indique une intensification de la pluie, j'espère que c'est français ce que j'ai dit. Du moins la pluie s'intensifie, donc il faudra eh bien, tenir à l'œil l'usure des pneus et surtout la piste de voir s'il ne faut pas passer en pneus full wet. Mais bon, il reste deux tours, donc c'est pas ça qui va nous changer fondamentalement le fonctionnement de la voiture. Vous voyez que ça glisse quand même pas mal. On arrive à la fin du 12e tour, on va entamer le 13e tour de course et regardez le gap que j'ai, ils sont nulle part, ils sont même pas dans la ligne droite de retour. Donc là j'ai un rythme qui n'est plus trop élevé puisque je conserve un peu ma voiture. Mais j'ai la chance d'avoir quand même Vettel qui me protège de Rosberg et Hamilton et qui sont à une trentaine de secondes, peut-être 20-30 secondes. On va regarder à gauche si ils sont pas trop loin, si on voit l'écart au niveau du passage de la ligne des stands. Non, on ne le verra pas. On termine le 13e tour et là je vais devoir abréger un peu malheureusement le dernier tour. Vous ne le verrez pas entier comme j'ai l'habitude de vous le proposer puisque j'ai un souci d'encodage et ça a énormément lagué. Donc vous voyez, j'ai deux tours de carburant, j'ai une avance considérable sur mes adversaires. Donc là, je suis plus que bon, c'est course gagnée et voyez, voilà, des soucis d'encodage. Donc vraiment navré pour cet instant slow motion, bullet time. Et on va terminer, donc on tourne le dernier gauche et on va aller cueillir la victoire. Deuxième victoire consécutive cette saison et surtout sur des conditions humides face au Mercedes. Donc vraiment, vraiment une belle, belle victoire. Un gros coup de poker, j'ai gagné, j'aurais pu perdre et terminer derrière les Mercedes. Mais j'ai joué, j'ai gagné, j'ai battu l'IA. Vraiment, vraiment une bonne sensation à ce moment-là. Le classement de la course, on termine donc devant Hamilton, Vettel et Nico Rosberg. Raikkonen 5e pour Ferrari, c'est quand même pas mal. Les Williams sont pas mal coulés quand même et... Les McLaren ont perdu aussi quelques places. Au niveau du classement, on fait encore un gap au niveau du classement constructeur. Vous allez le voir après. Et au niveau des abandons, eh bien celui qui a causé la safety car, c'est Nico Hülkenberg, qui a donc abandonné avec sa Force India, ainsi que Jean-Éric Vergne sur la Toro Rosso. Le classement général, on est 12 points maintenant devant Hamilton, donc on commence à se protéger du pilote britannique, même si 12 points, c'est pas énorme. Je rappelle qu'une victoire, c'est 25 points. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un point pour Adrian Sutil avec la Sauber. Le classement constructeur, 38 points sur Mercedes, 94 sur Ferrari et Williams. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut !